Eh ben dis donc. Donc ce château a été abandonné en 1976. Et voilà, 40 ans après, ce qu'une demeure abandonnée au milieu d'un bois donne. Voilà, la végétation a repris ses droits, la nature a repris ses droits. Le château, enfin, c'est plus un manoir, est totalement éventré par les lierres, par les ronces. La nature reprend ses droits.